Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis. C'est bon, le PC est arrivé, il est installé, j'ai la VR dessus, sur YouTube, sur Twitch, tout se passe bien, donc je crois qu'enfin, on va pouvoir être tranquille, et ça fait plaisir, on va pouvoir récupérer de la puissance pour le montage, etc. Ça va faire vraiment plaisir, et puis les lives passent en 1080p, 60fps, avant je pouvais pas mettre les 60fps. Pareil, les lives Twitch sont de meilleure qualité, hein, vraiment au niveau d'image, c'est vraiment top. Donc ça fait plaisir. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay Goku Rush. Et tant qu'à faire, je me suis dit, bon bah j'aimerais bien tester Trunks et Zamasu. A la base, je voulais faire séparément, mais c'est vrai qu'au final, on s'est dit, bah pourquoi pas faire les deux en même temps. Et puis comparer un peu, j'ai pas de doublon hein, sur aucun des deux. Voilà, après on sait très bien que Trunks MF est meilleur en Goku Rush, hein, c'est pas la question. Mais voilà, ça permet de voir déjà qu'est-ce qu'il vaut sans doublon, hein, parce que bon, les doublons c'est cool, mais on en a pas tous. Et puis Zamasu, ça permettait de voir aussi qu'est-ce qu'il proposait. On sait que c'est pas foufou, mais vous allez voir qu'il s'en sort pas si mal que ça. Hein. Même si on a eu peur quelques fois. Mais le gameplay est assez intéressant tout de même. Donc voilà. Je vous mets ça de suite. Très bon gameplay. N'oubliez pas le petit instant soutien. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut. On va faire Mirai. Enfin, Mirai et. Enfin, Mirai Gon et Mirai Trunks. Zamasu Black. Hein, et on va prier parce que. Je sais pas qui tente le mieux en fait à ce stade là. Franchement, je sais pas. Mirai Gon après une SP, parce qu'il y a quand même 10% de réduction. Combien? Oh, c'est bon. Non, Goku Rush en free to play, pour moi, comme j'ai dit plusieurs fois, aucun intérêt, parce que. Dès lors que y a un milliard de cartes free to play qui stack la def, ça n'a aucun intérêt en fait. C'est pas compliqué, c'est juste long quoi. Il faut juste avoir 3 heures devant soi, mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Goku Rush, ce qui est intéressant, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est de le tester avec des teams qui ne stackent pas, ou très peu. Là, c'est intéressant. Bon, l'autre, il va arriver après. Trunks puissance. N'empêche, mine de rien, les. Vous savez, Trunks puissance et Zamasu intelligence, ils sont sortis lors de. Enfin, Rosé puissance et Vegeta Bleutech, c'est deux cartes qui restent quand même aujourd'hui excellentes. Hein. Vraiment des très très bonnes cartes hors détecteur. Hein. Parce que leur réduction de dégâts couplée à leur défense font que c'est des cartes qui tankent très très bien. Hein. Vraiment des valeurs sûres. Hein. Salut Atinox. Bon, voilà, c'est l'heure de stacker. Non mais Nighty, il sera pas supérieur sans doublon face à un 100%, mais... Mais en fait, c'est simple, Black Endurance va être taillé pour le Battle Road, là où le Black Intelligence est taillé pour le Goku Rush, voilà. Après, le Black Endurance doit pas être ridicule en Goku Rush non plus. Bon, j'ai 20% de réduction. Non, Hotman, j'ai pas eu. Oh non, pas l'aspect. Bon, on l'a déjà fait, je crois, en fratrie. Bon, on l'a fait en fratrie, je crois, les gars, à Goku Rush. On avait réussi, hein. Je sais plus si j'ai sorti la game, mais... Enfin, je crois que oui, hein. Je crois qu'on l'avait déjà fait, hein. Ouais, on l'a déjà fait, c'est sûr. Même j'ai ramené le LR Cyborg, ça servait pas à grand chose. Ah, on l'a fait, c'est sûr. Alors. Putain, j'ai un doublon sur Black, mais bon. Je sens que le stack va être quand même être un peu long. Ah! Combien je prends en SP? Ok.
Avec 40% de réduction, waouh. Moi je suis pas doublon, je sais bien, mais quand même. Ça picote, hein. Prendre 100 000 à la deuxième phase, c'est pas très rassurant, on va dire. C'est pas très très rassurant, mais bon. La transformation, je rigole. Bien sûr que non. La Trunks MF, 95 000. C'est Junior cool. Bon, Amirigone, il a 30% de réduction. Je pense qu'on le tue pas, hein. Et Mirigone me prouve le contraire avec le kill. Bah oui, tu peux, ouais. Voilà, les gars, j'avoue, j'ai un petit peu peur. Hein. Je vous avoue que là, je suis pas serein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je... Oh, si me spégataille Zamasu, on va voir très très flou. Hein. Ok. Ok, il faut le... Il fait durer le suspense. Est-ce que tu manges l'aspect? Oui. Non. Ok. Ok. Pas cool. Ça, c'est pas cool. On va faire avancer le token mode rapidement parce que sinon. Sinon, on est dans la merde. Ok. Il est jouable, il a pas de défense, donc non, pas trop. Pas trop, pas trop. Bon, j'espère que... oui. Non, il va pas prendre du retard sur son stack. Le stack, c'est les mêmes transfo ou pas transfo, donc ça change rien. Le stack se... Enfin, reste, il reste là, le stack. Hein. Alors... Dokkan mode. Bon, je vais pas prendre trop de ki, mais... Ah bah attends, c'est bon, en fait. Ok, parfait. Bien sûr, attaque supplémentaire. Bien sûr. Mais c'est pareil. En black, c'est aussi grandement la def. C'est pareil, c'est le même stack. C'est 50%, peu importe la forme. Donc c'est juste que, bah, en attendant, on fait moins de dégâts parce qu'on peut pas crit, mais... Enfin, on peut, j'ai un doublon, mais... On n'a pas les 50% de critique, mais sinon...
Oh, le critique, pas mal. Le pas mal, enfin le pas mal. Moi j'aimerais gêner, non, Black va se transformer. Normalement. Parfait. Oui, en plus c'est vrai qu'il gagne du crit à chaque attaque encaissée. Donc là en fait au final, bon bah, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très très grave. On est à combien là? Cent neuf. Cent neuf, cent neuf. Ouais, Narutsuke, ouais, c'est pas faux. Après, quoi faut-il pro que je m'en sers, mais... Ouais. C'est pas totalement fou. Bon, ça m'a saoulé. Mange pas une spé, s'il te plaît, c'est bon. T'en as mangé une, c'est déjà pas mal. Ok. Ça c'est pas très très cool, mais bon. Merde, putain, j'ai merdé là. J'aurais dû laisser Trunks devant. J'aurais un stack en plus, mais bon, c'est pas grave. Bon ça on a un peu de chance sur la répartition mais... On va voir combien il prend en auto-attaque avec le désavantage type. Ça promet. Hein. Ça promet d'être sympa. T'annonces l'aspect sur Zamasu. Peut-être, tout est possible. Tout est possible. Elle arrive, hein. Elle arrive l'aspect. Elle arrive l'aspect. Hein. Ça fait déjà trois fois que je crois que ça arrive dans le run. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais. Ça fait déjà trois fois, je crois, il y a une seule attaque et c'est l'aspect. Hein. Je voudrais pas dire, mais bon. À un moment donné, quand même. Bon, merci la régène passive. Bah, c'était sûr, non, mais qu'une seule attaque, on a la poisse. Double stack. Pas mal, pas mal. Merci Smile. Par contre, je peux ne pas manger une autre spé éventuellement. Enfin, je sais pas, je me demande, hein, parce que bon. Parce que Rosé, je suis pas sûr qu'il le tue là. Hein. 2 millions. Ouais. Alors peut-être avec un critique double attaque, je sais pas, mais. Attends, non, pas du tout. Il va encore me spé Zamasu. Hein. Il va encore me spé Zamasu. Mais c'est un truc de ouf. Non, mais c'est pas possible. Il va encore me le spé. Oh là 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 là.
40 000. Aïe, aïe. Bon, après, on a des avantages type, hein, mais bon. Ça pique pas mal quand même. Hein. Après, il n'y a pas de doublon. Hein. Faut aussi bien se rappeler ça, mais... Ah, VBLR, par contre, ça fait le taf. Hein. Même sans être dans la rota, ça fait largement le taf. Hein. VBLR, ça fait totalement le taf. Hein. C'est tu vois, j'ai retourné mon opérateur, mais VBLR, c'est incroyable. Même hors de la rota, il fait le café. Oula, 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 oula. Ah, les amis, ça craint un petit peu. Hein. Bah, ça dépend où est l'aspect, quoi, mais je suis potentiellement dans la merde. Ah ouais, en auto-attaque, là, je dois prendre quand même un bon 20 000, facile. Bon. Je la tente, j'ai pas envie de me soigner, mais je vous cache pas que ça craint quand même un petit peu. Hein. Non, mais tu vas pas invoquer juste pour Black Intelligence, il faut réfléchir 2 secondes, quand même. Non, pour ça, on a petit item. Oh là là, 30 000 Ah, j'ai mal. Ah, c'est dur. Ah, c'est très très dur. Waouh. Bon. Je vais devoir déjà claquer un item, c'est pas une très bonne nouvelle quand même. C'est pas une bonne nouvelle ça les amis. Hein. Déjà claquer un item. Faut vraiment ce tour je prends 0 dégâts mais... Ah quoique attends. La gêne passive, combien? Ouais, pas mal. Bon, pas besoin à ce tour-là, mais au prochain. Au prochain, j'aurai pas le choix. Mireille Gogo. Voilà les amis, c'est... Ouais, quoique, il n'y a qu'une seule attaque. Hein. Enfin, comme à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je la tente? Est-ce qu'il va me spé sur la seule attaque qu'il y a sur Zamasu? Je tente. Ouh, on a bien fait de tenter. Enfin, je pense. Enfin, il va quand même manger un bon 30 000, mais... Rand Black attaque supplémentaire un jour peut-être. Ça peut être sympa, ça peut être cool. Alors au prochain combat il va être un petit peu plus à l'aise à Masu puisque Gaté sera puissance mais bon. Ce sera toujours ça quoi. Oh VBLR les choux. Oh le VBLR double stack. Bon là on est à peu près safe.
Ah, je peux prendre le token mode. Bah écoute, on va le faire. Ça, je vais me régène. Ok, au final, on s'en sort pas trop mal. Là. On s'en sort pas trop mal. Par contre, ouais, Migaté Intelligence à la fin, il va falloir le tuer très vite. Hein, parce que Zamasu va pas kiffer. Hein. Allez, Trunks MF, un petit critique pour me faire plaisir. Bon, c'est pas grave. Migaté Puissance. Quasiment full life. Mon courage aidé. Est-ce que je tiens ce tour? Je vais croire en Zamasu, les gars. Je vais croire en Zamasu. Ça commence très bien. 21 000 sans doublon, sans boss. Ouais, ça va. Avec boss, je pense qu'on prend 10 000. Sans doublon, ça va. 100%, c'est du zéro, quoi, mais... Donc c'est pas trop mal. Mais bon, là, on a l'avantage. Ok. Pas de spé. Mirai réduit de 50%, donc il n'y a pas moyen de crever. Je prends 8000. Ok. Ça va. C'est pas trop mal. Après, de toute façon, comme j'ai déjà dit, mais... Ce Zamasu, c'est comme... c'est comme Black. C'est comme Zama Black. C'est les cartes qui, avec des doublons, deviennent meilleures. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Puisque on gagne en défense. Et c'est extrêmement important. Je vais peut-être virer Mirai Gohan pour l'instant. Après, je vais le garder pour le dernier combat, mais pour l'instant, il va pas me servir à grand chose. Enfin, il fait pas tant de dégâts que ça, quoi. On va faire ça. Allez, où est SP Migaté? Végéto bleu l'air. Double stack peut-être encore pour Végéto bleu. Non. Attends, il a pas encore spé, hein, j'ai pas rêvé les gars. Donc il va amener, il va spé au début du prochain tour là, c'est pas possible. Ah. Pas cool ça. Bon, l'aspect va sûrement tomber au début. Très probablement. Mais en vrai, avec la réduction de dégâts plus l'avantage type. Je me demande si on encaisse pas avec Zamasu, c'est bête à dire, mais... Bon, dans tous les cas, là, on peut pas crever. Il n'y a pas moyen de crever, là. Bon, j'ai pas boss, hein, donc ça va pas être fou. 22 000. Ah. Alors combien je prends en spé avantage type 0 doublon, pas boss. Ah oui, d'accord. Ah non, que j'ai peut-être boss, j'ai peut-être boss. Quoique 20 000, je suis pas sûr si... Pas sûr de l'avoir quand même. Ah, je l'avais pas, je pense. Hein. Ah, il faut... Faut se rappeler que la réduction de dégâts, c'est plus intéressant pour les spé parce que... En fait, c'est logique. Sur un joueur sur 300 000 de spé, 40% de dégâts réduits, c'est presque la moitié. Alors il nous reste beaucoup de dégâts à encaisser, mais du coup on réduit quand même la moitié. 40% sur une auto-attaque à 50 000, certes c'est la moitié, mais on prend, enfin, l'écart est, on va réduire 20 000, on prend quand même 30 000, sur une auto ça nous paraît énorme, 30 000. Une spé on passe de 300 à 100, 150, ça, enfin le gain est plus intéressant. Mais bon, en tout cas on prend quand même cher. Bon là, des BLR et Trunks sont au taquet. Bon, je l'attends.
Je la tente, je me dis que j'étais quand même low dans les PV, plus le stack sur l'aspect. Bon, peut-être le regretter, mais... Sinologan. Je vais peut-être le regretter. Peut-être. Ok, parfait. Très très bien ça. Et bien Miragohan, hein, il fait une belle game. Hein. Très très belle game. On prend 0. Samasu qui donne quand même un peu de régène, faut pas oublier ça. Petite régénération qui fait plaisir. On va pas cracher dessus. Bon, 227 000. Rosy, il a combien là? Ouais, non, c'est bon, on est bien là. On est bien là. Ouais, là, vu que on a, enfin, tout le monde a bien stacké et tout, franchement, on est très très bien. C'est juste potentiellement Zamasu qui peut prendre très cher. Et Miragohan, quand même, pour l'instant, en spé, qui peuvent prendre cher. Merci Nono pour l'abonnement. Mais globalement, ça va. Yakuai, tu aimes bien Black Intelligence, tu l'as 100%. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, la régène passive qui s'annonce là. Oh, mais la régène passive. Ah merde. Tant pis. C'est vrai qu'il a pas beaucoup esquivé un Migaté pour l'instant. Bon, après c'est 10% sous cette forme là, ça va, mais. Bon, je vais pas le tuer en fait. Hein. Ah 36 000. Je te voulais l'air 2 800 000 quand même. Hein. Ça tape bien. Hein. Pas de crit, dommage. Et merci Zamasu qui participe un peu à la régénération comme il peut, le pauvre. Mais bon, c'est toujours ça. Hein. Il participe comme il peut. Bon, je pense que là, normalement, c'est la fin pour cette phase-là. Et Rosé qui touche l'adversaire, peut-être le critique. Rosé. Ouh. Oh non, ça sent très l'air ça. Enfin. Ok, ça sent, je le tue pas en fait. Ça sent, je le tue pas. Mirai, un petit critique. Ah bah voilà. Tu vois, Miragohan, il est au taquet. Alors, c'est à partir de maintenant qu'on va un petit peu moins plaisanter, quand même. Vous le savez. Bon, Miragohan, il va continuer à rouler sur le boss, mais... Petite régène. Bon, Weber, on va quand même te faire stacker encore. Voilà. Vous en faites pas, ça m'assoit, il prend 0 dégâts, les amis. Vous en faites pas, ça va le faire. Bon, par contre, XMF là va faire 0 dégâts, j'ai pas de critique, hein, donc. Alors, je vais essayer de le transformer sur la fin, mais. En attendant, c'est un peu compliqué. Hein. Ok, pas de spé, ça m'arrange pas trop ça. On va devoir item. On va mettre. On va mettre un dragon.
De can mode incoming. Ouais, de can mode, je vais le faire avec qui en fait? Bon, j'aurais pu ne pas item en vrai, mais. Enfin, quoique, non, je dis ça, mais non, enfin, je. Attendez, non, on va voir combien je prends déjà sur Zamasu. Je dis ça en fait. Combien je prends sur Zamasu avec item? Attention. Ça va, ok. Mais bon, sans item, à mon avis. En fait, la réduction de dégâts. Alors quand il y a de la défense, c'est très fort. Quand il n'y a pas de défense, ça reste intéressant sous item. Parce que comme tu as 40% plus d'item, bah ici à savoir 35, enfin 30, non attends 35 je crois, non 35, bah c'est quand même pas mal. Mais bon, après, c'est quand même chiant qu'il n'y ait pas de défense. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Merde, j'ai pas vu qui est. Pour Dokkan Mode. Bon, en même temps, je suis quasiment full live, donc. Ça va pas changer grand chose. Bon, on va essayer de transformer Trunks à la toute fin. Histoire de profiter de son ultime attaque. Ça serait appréciable. Ah, pas de crit. Bah, en fait, la team Zamasu, faut que t'aies Gowasu comme ça. Il y a Rosé Puissance, Gowasu qui permettent de support. Et dans ce cas-là, c'est assez intéressant. Merci, Mickaël, pour la boue. Une seule attaque. Bon. Je pense que là, je peux me permettre d'être serein. Waouh, ce plateau. Ah, pour Trunks au prochain, mais. Ah, c'est trop tôt pour le transformer, mais. Ah, ça aurait été incroyable. Je sais plus, imagine, j'ai pas compté, mais j'ai déjà fait pas mal de teams qui stack pas. Ah les gars, je suis tenté de le transfo, mais en vrai, bah, je crois qu'on va le faire pour le beau jeu, hein, tant pis. Hein. T'as 200 000 rosés, waouh. Je crois que je vais le faire pour le beau jeu. Hein. Tant pis. Hein. Va falloir prier pour qu'on finisse vite le boss. Hein. Ah, le plateau est trop beau, je suis obligé là. Je suis obligé les amis. Oh non, ça m'assoule. Ah oui, d'accord, on passe donc sous item. On est à 6000. Sans item, 60 000. C'est vrai que... Ok. C'est pas mal. Bon, les amis, je crois que j'ai pas le choix. C'est trop tentant. Je suis obligé, les gars. Putain, sur le touche pas. Si on le touche pas, je suis dégoûté. Hein. Ah, il faut qu'on le touche, les amis. Hein. Sinon, on est dégoûté. Hein. Donc, 134 000. Bon, merci la régène. Hein. 323 000. Bon, après, là, on a un joli plateau. Hein. Bon, s'il te plaît, esquive pas, déconne pas, frérot. En plus, j'ai l'avantage type là, déconne pas. Oh, c'est bon, on le touche, 4 millions 6. Ouh là là, 100 doublons. Aïe aïe aïe, pas mal. Quel monstre. Ah, bon, je préfère que t'esquives Mirai Gwan.
On a découpé Migaté. On l'a découpé, les amis. Ça fait plaisir. Ouais, Rosé, là, par contre, il est bien. Je ghosterai quand je ferai ma justement l'active skill de Zamasu, je pense. C'est vrai que je perds boss, quand même. Enfin que j'active boss. Aïe 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 aïe. Zamasu. Après, je voudrais quand même préciser un truc parce que il y a des cartes en Goku Rush qui, même celles qui ont une défense, une bonne défense, sous item, genre sous un dragon, elles prennent quand même des 20 000 dans la tronche. Tu vois, même des cartes qui sont très bien hein, de base. Hein. Mais comme elles ont juste une bonne défense en plus, elles prennent des 20 000. Là, Zamasu, avec item, ce que je disais tout à l'heure, hein, avec item, il prend 6 000. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est bien avec la réduction de dégâts, même sans défense, c'est que quand tu mets un item, c'est quand même très fort. Enfin, c'est quand même vachement OP. Mais bon, voilà, après, sous item. Bon, là, par contre, on va pas faire les fous. Parce que le plateau, c'est pas le même. Hein. Bon, on a quand même un beau plateau, là. Combien? 242 000, ça va, mais... Bon, de toute façon, j'ai l'item actif. Hein. Bon, on arrive à la fin des PV. Prochain tour, on active la transformation de Zamasu. Enfin, si je le tue pas ce tour-là, en fait, mais... Je sais pas, en fait. J'espère que je vais pas le tuer. Mais il a l'air que je n'ai pas gardé dans la rota qui fait son chemin tranquillement. Hein, c'est... 3 millions en valeur. Ouh là, ça craint, on va le tuer, les gars. Oh, je vais le tuer. Ah, quoique. Ah non, c'est bon. Non, VBLR, s'il te plaît, tout doux. Même pas de crit, s'il te plaît, genre, tranquille. Stop. Mais non. Mais esquive. Oh, merci. Merci, Migaté. Merci, Migaté, c'est gentil. Merci pour ta collaboration. C'est très gentil à toi. Putain, j'ai boss. Yes. J'ai boss. Ciao. Ouais, les gars, je prends pas le risque. Hein. J'en ai rien à foutre. Ouais, il a peut-être esquivé. Hein. Et voilà la forme ultime qui a encore moins de défense, mais plus d'attaque. Alors, pas de kin ma couleur, hein, bien sûr. Et le finish. Ok, on touche l'adversaire, c'est bon. C'est terminé. 2 700 000 sans doublon, c'est quand même extraordinaire. Boum. Comme ça, on a pu tester les deux en même temps. Sans doublon, vraiment, c'est le minimum de la prestation au Goku Rush. Bon, Trunks. On savait très bien que de toute façon voilà, c'était totalement, même sans doublon, c'est quand même extrêmement fort. Hein. On monte à. Je crois qu'on était à 400k avant la transfo. Quasiment. Zamasu, c'est sûr que c'est pas. Enfin, clairement, voilà, la carte est pas vraiment faite pour ce mode, mais elle est pas ridicule non plus. Parce que comme je l'ai dit, sous item, ça tank très bien. Il y a des cartes outre Dokkan Fest qui ont juste une bonne défense. Sous item, elles prennent des dégâts. Sans sous item, il prend quasiment que dalle. Enfin, ça va, il prend dans les 6 000, 10 000. Alors c'était à la dernière phase, hein, sans désavantage type bien sûr, mais franchement ça va, c'est pas dégueu, sachant qu'il a pas de doublon. Donc à 100%, ou ne serait-ce que de doublon, ça doit quand même déjà être plus intéressant. Donc voilà, Zamasu, carte qui a besoin de doublon, hein, et c'est pas la seule, hein, il y en a plein qui sont comme ça. Vraiment pour monter en puissance, parce que sinon on se fait éclater. Donc voilà, mais ça reste jouable, hein, c'est la preuve, hein, voilà, ça se joue totalement.